Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va fonctionner? Bon, je finis mon café, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde. Je suis là, je vous regarde. Coucou, coucou les amis. Coucou à tous des Yvelines. Martine, bonjour. Alors, je le sais. Coucou, coucou. Coucou à tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc on a, je mets un petit peu avant. Hein. Voilà. Bah donc nous revoilà. Nous revoilà. Hein, nous revoilà quelques semaines, quelques mois après, après le déconfinement. Bah, moi j'avais arrêté au mois de juillet, je crois. Début juillet, je faisais encore des lives. Donc je ne pensais pas du tout refaire des lives. En fait, je pensais que voilà, comme tout le monde. Hein, en plus, on avait repris nos cours, on a fait 6 semaines complètes, on était contents. On s'est dit, ça y est, on va se remettre dedans. On commençait vraiment, là, juste avant les vacances, les vacances de la Toussaint, ça y est, on était raccrochés. C'était reparti, la machine était en route. Après, quand la dernière semaine, quand on s'est dit au revoir, bonnes vacances... On était partagés quand même. Hein. On se doutait qu'à l'écoute se passait quelque chose. Mais bon, voilà. Donc, encore une fois, tout est arrêté. À mon avis, c'est même arrêté jusqu'à la fin d'année. Enfin, de toute façon, les cours s'arrêtent au 15 décembre, souvent. Hein. Bon, bah, après, il y a Noël, Nouvel An. On reprend début janvier. Mais à mon avis, comme c'est chaud bouillant, qu'il y a beaucoup de malades... Et donc il faut quand même vraiment faire attention parce que on entend quand même des personnes comme moi par exemple dans ma famille j'ai mon frère qui est en Savoie et c'est vrai que jusque maintenant dans son village bon, personne n'était touché et là il y a des cas, il y a même des décès. Donc des gens de 47 ans et puis un petit peu plus vieux. Donc ma maman qui est très âgée. Mon frère s'en occupe donc chez lui. Donc ils font vraiment attention. Hein. C'est nos parents âgés, notre famille âgée. Hein, on a peur, on peut plus les côtoyer parce qu'on a vraiment peur de rapporter ça. Après, faut vivre avec cette culpabilité. Voilà. Donc je me suis boostée, je vous dis franchement, donc j'étais vraiment descendue. J'avais rangé tous mes cahiers, toutes mes affaires et tout. Tout était rangé. Donc j'ai eu mes petits-enfants pendant 8-10 jours.
Donc une dizaine de jours, donc un petit peu l'un, un petit peu l'autre, et puis voilà. Donc j'ai pas vu le temps passer, je suis pas trop les infos, donc ça m'a permis de pas trop de pas me remplir de tristesse. Et puis bah c'est mon mari qui m'a donné symboliquement un coup de pied au derrière. Il l'a pas fait. Hein. Pour dire refais des lives, t'es bien quand tu fais des lives, et puis ça. Parce que sinon, là, toute la journée, c'est vrai que je suis à la maison, toute la journée, tu vas te morfondre, tu vas. En fait, il avait peur pour moi, moralement. Et moi aussi, je me suis fait peur. Donc voilà, j'ai ressorti mes affaires, et puis. Pour ça, j'ai pas commencé difficile, parce que je suis quand même émue, et de refaire à nouveau cette pratique. Donc ça, comment dire, ça veut dire qu'on est toujours dans la maladie et puis que, voilà, un jour ou l'autre, il faut vraiment, vraiment faire attention. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur, hein, voilà, vos petits encouragements, vos petits mots. Vous savez, hein, je fais vraiment pour passer un moment ensemble. Hein, y a pas, donc moi, je fais beaucoup, comme j'ai des... En priorité, dans mes cours, j'ai des nouveaux, j'ai des débutants. Alors, j'ai des nouveaux qui ont commencé en septembre. Et puis, voilà, le premier confinement, on commence à remettre. Et voilà, redeux. Donc, ce sont des gens. Et après, il y a des gens qui ont commencé en septembre ici. Donc, ce septembre-là, qui ont fait 6 semaines, et là, voilà, encore, tout est arrêté. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Donc, je vais pas faire des danses. Il y aura toujours des danses d'apprentissage. Parce que j'estime, parce que je pense, qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris la country pendant des lives. Donc, il a fallu commencer par des danses faciles, des danses absolute beginner, absolute débutant. Donc, on va continuer d'entretenir ces personnes avec des danses faciles et faisables, justement par ces personnes. Parce que, bon, nous, quand on a 10 ans, 12 ans, 15 ans de danse, on sait danser, c'est sûr. Donc, on fait de la révision. Donc, faut pas oublier tous ceux qui s'accrochent là pour tenir et peut-être vouloir, espérer revenir au mois de janvier ou peut-être pas décrocher et continuer dans la country. Voilà. C'est un petit peu mon objectif, c'est aussi de faire travailler en s'amusant. ces personnes qui ont commencé parce qu'elles ont vu, elles ont dit que ça me plaît, voilà, j'arrive à faire des pas, et donc je voulais continuer d'entretenir un petit peu ça. Voilà. Alors, c'est un petit objectif que je me fixe pour aussi pour continuer d'avancer. C'est pas facile. Voilà. Donc, j'ai encore 3 minutes parce que je vais pas me mettre. Je vais faire 2 heures. Hein, donc 15h, 17h. C'est qu'après, il y a Fred qui enchaîne. Hein. Donc. Vous me direz, éventuellement, si ça vous plairait que je décale à 14h30, hein, éventuellement. Après, je sais que cette fois-ci, ce confinement, il y a des gens qui travaillent. Hein, c'est vrai que, voilà, mon mari travaille, mes enfants travaillent, donc il y a des gens qui travaillent, donc il y aura le replay, hein, comme on dit. Ah ouais, donc ça, c'est ce point-là que je voulais aborder avec vous. Après, apparemment, les vidéos sont quand même pas mal coupées. J'ai mis 8 danses et peut-être faudra faire. On sera coupé au bout de 3, faudra se remettre et puis etc. Donc, on va voir. Moi, je me relance, je sais pas trop ce qu'il en est. Donc, vous savez, quand je préviens, je veux dire, on va être coupé. Donc, je vous préviens et puis vous savez, je remets en route le live. Hein. De toute façon, je pense qu'on est tous à la même enseigne pour à ce sujet-là. Hein. Donc, on va faire au mieux, au plus simple. On va essayer de se déconnecter de CNews et de BFM pour pas trop tomber, parce que ce n'est qu'un début, apparemment. J'ai déjà entendu parler jusque l'été 2021. Donc, on n'a pas fini. L'important, c'est de se garder un bon moral. Faire attention à nous, donc par la même occasion, aux personnes autour de nous. Et puis moi, je pense que le moral est pour une bonne chose dans le fait de, comment dire, de rester aussi positif. Hein.
Voilà. Bon ben, on va se mettre en route tout doucement. Donc j'ai pas forcé aujourd'hui parce que je veux déjà reprendre un peu d'assurance. Hein. C'est pas évident hein, de faire en aveugle. Et puis voilà. Hein. Donc, je vais aller chercher ma feuille. Je vais voir ce que vous me dites un petit peu. Là. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais regarder si c'est bon. Ok. Hein? Et quelle heure? Bon, on va dire quelle heure. Hein? Donc, j'ai commencé par une danse que j'ai découvert il y a quelques semaines hein, en farfouillant comme ça, en cherchant des danses débutantes nouvelles, faciles, sur des bonnes musiques. Hein, genre, donc, pour pas toujours refaire les mêmes danses aux débutants qui sont nouveaux, qui ne connaîtraient pas, admettons, la débutante qu'on aurait fait déjà depuis 10 ans. Mais, en fait, aussi, parce que quand on a des gens qui font les deux cours, de toujours, on va dire, pour un petit peu changer quand même, parce que, ça, disons qu'ils sont contents aussi d'apprendre des nouvelles débutantes. Donc, on va faire une chorégraphie de Marianne Langagne, ultra débutant, elle s'appelle, hein, 32 temps, 4 murs, et il n'y a pas de tag et pas de restart. Je regarde bien, parce qu'avec l'émotion, des fois... Donc, c'est une absolue débutant. On y va ensemble. Je la réexplique, je l'explique et puis on la danse. Hein. Donc, ce qu'on va faire à droite, on va faire à gauche après. Donc, on va commencer par faire un vine à droite. Donc, pied droit, pied gauche, pied droit. On va faire un scuff. Et du scuff, on va utiliser l'avant pour faire rocking chair avant. Rock step avant et rock step arrière. On va déjà refaire ce côté. Donc 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a fait la première section. Deuxième section, pareil à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va marcher maintenant. Donc, avant droit, gauche, droit. On va faire kick avant gauche. On va utiliser gauche pour reculer gauche, droit, gauche et touch. Les trois sections. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Marche, marche, marche. Kick, recul gauche, droit, gauche et touch. On va mettre, je vais me remettre au centre. Hein. On va mettre, donc touch. On pose le pied droit devant. Quart de tour. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche en faisant stomp, stomp. Stomp, stomp. On va refaire jusque-là. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire un chassé avant droit et un chassé avant gauche. Petit chassé avant droit, petit chassé avant gauche. Et la danse est finie. On la reprend une fois sur le mur de 9h. 7, 8, vine à droite, scuff et rocking chair. Vine à gauche, scuff et rocking chair. Marche, 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 kick, recul, gauche, droit, gauche, touch, quart de tour, stomp, stomp, chasse avant droit, chasse avant gauche, et vine à droite, et rocking chair, vine à gauche, et rocking chair, marche, 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 kick, recul, gauche, droit, gauche, touch, quart de tour, chasse avant droit, chasse avant gauche. Toute facile, hein, ultra débutant, d'où son nom.
Alors, ça va aller? Est-ce que ça va aller? Wep, 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 wep. Allez, on y va en musique? C'est OK? Non, c'est pas celle-là. Worked harder getting out of work, but I've loved a lot more than I've earned. I've spilled more whiskey than I've drank. Drove up more gas than was in my tank. Lost a lot more than my shirt. I've loved a lot more than I've heard. Oh, I've heard a little now and then, but once you're broke, you learn to bend. Bottom line, for what it's worth, is I've loved a lot more than I've earned. Well, I walk a lot more. Show a lot more than I hide. Sometimes more trouble than I'm worth. But I've loved a lot more than I've heard. Oh, I've heard a little now and then. But once you're broke, you learn to bend. And the bottom line, for what it's worth, is I've loved a lot more than I've earned. Yeah, the bottom line, for what it's worth. Alors, toute facile, hein. Toute facile, ça a été, hein, je pense, hein. Voilà. Oui, impeccable, hein. Vous avez vu la musique? Voilà. Pendant qu'on écoute ça, pendant 3 minutes, 3 minutes et demie, ben, voilà. Donc, ces petites danses que je mettrai en échauffement, ben, dans les semaines qui arriveront, hein, un coup celle-là, un coup une autre, et ce sont des petites danses, voilà. Hein. Donc, c'est une chorégraphie de Marianne Langagne, hein. De toute façon, j'ai mis déjà sur mon blog les vidéos. Hein. Donc, deuxième chorégraphie. Alors, c'est pareil, c'est une chorégraphie. Alors, c'est sur la musique de High Valley Soldier. Donc, y a déjà plusieurs chorégraphies dessus, hein, bien sûr. Hein. Et donc, alors, je me suis dit, quand j'ai trouvé cette danse, c'est pareil, hein, y a quelques semaines, je me suis dit, bah tiens, pour nos petits débutants qui aiment la musique aussi, ben, pourquoi pas faire cette chorégraphie, comme ça il y aura les lignes avec ben, Soldier, et puis il y aura quelques lignes avec nos petits débutants, tant pour danser bien sûr. Hein. Bon, alors, donc, puis aussi, ben, on sait bien que quand on apprend à danser, il faut des danses pour danser, pour que ça devienne plus facile. Hein.
Donc, c'est une chorégraphie de, d'Anne Albro. Il y a 10 Anne Albro. Donc, je sais pas si c'est son garçon ou sa fille, c'est pas trop. Donc, 28, c'est une danse de 16 comptes et 4 murs. Vous allez reconnaître la musique. Après, chez vous, ceux qui savent Soldier, vous pouvez faire Soldier. Hein, donc, pas de problème, ou d'autres, hein, ou d'autres danses. Moi, j'avais fait celle-là avec mes nouveaux. Hein. Alors, toute facile. Donc, on va faire, elle s'appelle Michnosk Slide. Donc, on va faire le pied droit à droite. On slide le gauche. Grand pas. Donc, touch. On fait talon et touch. Alors, ce qui nous fait 1, 2, non, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pareil du côté gauche. 5, 6, 7, 8. On a déjà fait une section et on a 2. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Là, on va faire des L-strut. Donc, L-strut, c'est l'inverse de toe-strut. Toe-strut, c'est toe-strut. L-strut, c'est sur le talon. L-strut. L-strut. Donc, droit-gauche. Et on va faire un jazz box. Quart de tour à droite. Sans normal, quoi. Donc, 5, 6, 7 et 8. Et là, la danse est finie. On est en poids du corps gauche. Parce que, bien sûr, on va redémarrer comme ça. On va refaire encore deux murs. Donc, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hell struck, jazz, box, car le tour. Deux murs encore. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hell struck, jazz, box, car de tour. Deux murs sans coupure. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, vous avez vu, hein, tout facile. C'est vrai que la musique, elle est belle, et quand on est au bal et que les débutants, les nouveaux, ils entendent cette musique, elle est belle, la musique. Donc, ben voilà, ils pourront aussi faire leur petite danse de première année avant de faire celle de deuxième année. Ben oui, voilà. Bonjour du Québec, Hélène. Voilà. Bon, ben, Anne Albro, on va y aller, hein. Donc, c'est bien parce que sur les bals de musique, comme ça, il y en a pour tout le monde. Et c'est chouette. Alors, où est-ce qu'elle est ? Alors.
une petite danse, voilà, tout sympa, la musique elle est belle, elle nous porte la musique, en fait on oublie que la chorégraphie elle n'a que 16 comptes et qu'elle est débutante, absolument débutante, donc ça fait du bien, c'est une petite danse un peu comme Go Cat Go, ben, qu'on met, et puis les gens aiment bien, ça bouge un petit peu, et puis voilà. Donc, Mishnock Slide, de Dan Albro, hein, 16 comptes. Donc, j'avais changé l'étiquette. Alors, j'ai quand même encore un petit peu le stress. Hein. Un petit peu le stress de... J'ai encore un petit peu... Voilà. Il faut que j'arrive à passer une fois ou deux. Donc, c'est pas facile, c'est pas évident quand même. Alors, maintenant, on va faire... Il manque la troisième danse, donc Take Me Away. Alors là, ça c'est mon. Alors celle-là, c'est vraiment une découverte et je veux dire, j'ai craqué dessus quoi. Elle est trop belle. Alors, absolute. Alors, Take Me Away. Donc 32 comptes, 4 murs. Absolute beginner, donc absolute débutant. Chorégraphe Sheila Allen. Donc elle est de janvier 2020. La musique, hein, George Strait, Take Me Away. Donc vous allez voir, la musique elle est magnifique. Et moi personnellement, si la chorégraphie est débutante, absolument débutant, mais moi si la musique elle me porte, si je me mets dans la musique, en fait, peu importe. Hein, je veux dire, moi c'est la musique. Hein. Et ça y est, je commence à me lâcher un peu. Je vais boire un coup parce que. Donc j'avais une petite mise en jambe pour la reprise après ce deuxième confinement. C'est pas évident. Hein. Bon. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour l'expliquer. Bon, j'espère que ça va chez vous. Alors, j'ai oublié de vous dire, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de danser avec le masque. Vu qu'on est tout seul chez soi, on danse sans masque. Hein, parce que moi, nous, on a toujours respecté les distances et tout. Et c'est vrai que ça s'est bien passé. Bon, maintenant, c'est comme ça. Voilà. Alors, Take Me Away. Cette danse-là, elle est vraiment nickel pour des débutants qui ont déjà fait quelques cours et qui vont capter la musique. Alors, c'est pareil. Ce qu'on va faire à droite, on va la faire la même chose à gauche. Donc, ça va être tout des déplacements pour l'instant face à 12 heures. Pied droit à droite, touch gauche. Pied gauche à gauche, touch droit. À droite, on rassemble à droite et touch. Là, du coup, comment faire la même chose à gauche? C'est inversé. Pied gauche à gauche, touch. Pied droit à droite, touch. Pied gauche à gauche, on rassemble. Pied gauche à gauche, touch. Là, on a fait deux sections. On refait depuis le début. 7, 8. À droite, touch. À gauche, touch. À droite, on rassemble à droite. Touch. À gauche, touch. À droite, touch. À gauche, on rassemble. À gauche, touch. On va mettre le pied droit à droite. On va mettre le pied gauche derrière. Donc, side et behind. Quart de tour, on déplace donc le pied droit devant. Et on va rassembler. Alors, par l'expérience que j'en ai, je l'ai fait en cours. Et c'est ce petit truc-là qui n'est pas évident pour ceux qui apprennent. Hein. Donc, on a fait là. Donc, pied droit, pied gauche, quart de tour. Donc, on met le pied droit devant, on rassemble. Donc, quand on a rassemblé, on met bien le poids du corps sur la jambe gauche. Parce qu'on va faire talon droit, ramène, talon gauche, ramène. Et là, on a déjà fait trois sections. Et la dernière, elle est hyper facile. On refait du début. 7, 8, à droite. Touch à gauche, touch à droite, on rassemble à droite. Touch à gauche, touch à droite, touch à gauche, on rassemble à gauche. Touch. Pied droit, pied gauche, quart de tour, rassemble, talon droit, talon gauche. La dernière section facile, les diagonales,
les diagonales qu'on connaît très bien, qui sont souvent dans les danses débutantes, d'ailleurs, pour, au début, pour apprendre. Avant droit, touch clap. Arrière gauche, touch clap. Arrière droit, touch clap. Avant gauche, touch clap. Donc vous faites les claps si vous voulez. Hein. Deuxième mur. Donc, les deux premières sections, tout déplacement, on n'a pas bougé de mur. 7, 8, à droite, touch à gauche, touch à droite, on rassemble à droite. À gauche, touch à droite, touch à gauche, on rassemble à gauche. Pied droit, pied gauche, quart de tour, on rassemble, talon droit, talon gauche. Et les diagonales. 4, 5, 6, 7 et 8. On va essayer de faire les deux murs sans coupure. Hein? No tag, no resta. Hein? Vous allez voir, la danse, elle est vraiment bien calée sur la musique. 7, 8, à droite, touch à gauche, touch à droite, on rassemble à droite. À gauche, touch à droite, touch à gauche, on rassemble à gauche. Pied droit, pied gauche, quart de tour, on rassemble, talon droit, talon gauche et diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à droite, touch à gauche, touch à droite, on rassemble à droite. À gauche, touch à droite. À gauche, on rassemble à gauche. Pied droit, pied gauche, quart de tour, on rassemble. Talon, talon et diagonale. Alors, toute facile. Hein? Le seul petit truc, c'est de penser, donc après qu'on aura fait les deux déplacements de côté, c'est donc c'est pied droit, pied gauche, quart de tour, donc simplement on met le pied droit devant et on rassemble, poids du corps et talon, talon. On refait ce passage-là, donc juste, on va dire, c'est le petit nonos, le petit os de la danse. Bon. Ça va aller? Ouais? Je vais aller voir si ça va. Alors, il regarde. Ça va aller, on met la musique? Ouais? C'est ok? Yes? Bon, allez. Donc, on va écouter George Strait. Qui est indispensable dans les playlists. Alors, où est-ce qu'elle est? Take me away. Alors, il y a une intro de combien? Je suis en train de regarder l'intro. Hein. Time, girl, it ain't gonna happen. If you're wondering or asking, it's a farthest thing from my mind. Any place, anywhere, neither here nor there, girl, that ain't happening. Can't pull no fast one. Nothing's gonna take me away from you. Take me away from you. Nothing's gonna take me away. Take me away from you. Take me away.
pareil. Donc ce sont des danses que on mettra en échauffement. Hein. Voilà. Trop bien, ouais, la musique elle est belle. Hein. Encore là, quand on met plus fort dans... Enfin là, j'ai pas mis trop fort parce qu'il faut pas mettre trop fort. Sinon, ça va faire des... Mais c'est vrai qu'elle rend bien la musique. Hein. Oh, sur une chaîne, là, quand on met un peu plus fort, c'est pas trop mal. Est-ce que vous voulez la refaire? Est-ce qu'il y en a qui veulent la refaire? Bon. Donc, take me away. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, il y a des petites... voilà, il y a des petites danses vraiment sympas. Comme ça. C'est sûr, il faut chercher. Je vous avoue que je passe énormément de temps aussi. Sur Internet, à regarder, chercher des danses et tout. Après, il faut chercher les PDF. Il faut acheter les musiques. J'achète toutes les musiques. À part des fois, vraiment, quand c'est introuvable, je ne trouve pas sur Amazon. Mais je veux dire, il y a quand même vraiment des... Vous voyez, puis les pas, ben, vraiment faisables. Et les gens qui viennent apprendre la country, souvent ils viennent pour la country, ils aiment bien. Et cette musique-là, voilà, c'est sûr que ça fait des petites émotions. Donc ce sera d'une danse que... Voilà, allez, je la mettrai en ouverture à chaque fois, une danse, celle-là, voilà. Toutes les petites nouveautés que j'ai passées, toutes les danses que j'ai fait depuis le mois de septembre. Hein. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. Vous voulez la refaire? Bon, on la remet? Allez. Allez, on la refait une fois. Bon, du genre, je straite, hein. On ne peut pas faire autrement, hein. Allez. Time, girl, it ain't gonna happen. If you're wondering or asking, it's a false thing from my mind. Any place, anywhere, neither here nor there, girl, that ain't happening. Can't pull no fast one. Nothing's gonna take me away from you. Take me away from you. Nothing's gonna take me away. Tout ça,
Donc, Take Me Away. Hein? De toute façon, sur mon blog, je pense que vous l'avez... J'ai partagé, j'ai déjà mis les liens, hein, des danses correspondantes faites par les... qu'on a fait aujourd'hui. Donc, comme ça, vous aurez le nom de... Vous aurez le nom de des chorégraphes et tout. Et tout ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin, si vous voulez le PDF, vous me le dites, hein, vous m'envoyez un petit message. Je le partagerai. Je vais les mettre sur... je vais les mettre sur, en ouverture sur la page. Hein. Donc là, celle-ci, Coffee Day and Whiskey Night. Donc c'est une danse qu'on n'a pas encore eu le plaisir non plus de... Bah, mon premier live, je l'ai faite le 3 juin. Parce que je note. Hein. Et donc là, je la refais aujourd'hui, le 4-11. Donc on n'a pas encore eu le plaisir de la danser en bal non plus. Et c'est vraiment une petite nouveauté qui plaît bien aussi. Hein. Après, il y a une petite difficulté avec les quarts de tour. Bon, ça, c'est vrai qu'on va attendre un petit peu avant de la faire avec les débutants. Alors, donc, Coffee Day and Whiskey Night. Bon, ça fait un Irish Coffee, c'est ça? Bon, alors on va mettre le pied droit devant, diagonale. C'est le A. On va rentrer en premier, donc, le talon, la pointe, le talon, et on fait touch. Alors, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4. Non, c'est seulement rentrer deux trucs. C'est, je confonds qu'une autre, il y a une autre danse où on fait ça aussi, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4. Pied gauche en diagonale. 5. Là, on rentre. On va rentrer deux fois aussi. Donc, 6, 7, 8. Donc, 4 et 8, touch. Hein. On refait. 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire diagonale, cette fois-ci, ce sont le zigzag, diagonale zigzag. Donc, on est en touch droit, donc arrière-droit, arrière-gauche, arrière-droit, arrière-gauche. On fait jusque-là. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre, on va faire un vagin à droite avec un quart de tour. Alors, sur cette section-là, la section numéro 3, ici, le 4 et le 8, ce sont une pause. Hein. Donc, vagin à droite, quart de tour, pause. Pied gauche devant, quart de tour, croise et pause. Hein. 4 et 8, ce sont des pauses. Je vais refaire cette section-là. Donc, on revient des diagonales. Donc, vine à droite, quart de tour, pause. Pied gauche devant, quart de tour. On croise tout de suite, on le ramène tout de suite et pause. Du début. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si c'est un carré à droite qui descend, combat boxe à droite qui descend, c'est pareil, 4 et 8, pause. À droite, on rassemble, on descend droit, pause. Pied gauche à gauche, on rassemble, on monte gauche, pause. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Donc les deux dernières sections, 4 et 8, pause. On l'a fait à 6 heures, celle-là elle est connue. Hein. 7, 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et diagonale zigzag. Vine à droite, quart de tour, pose pied gauche, quart, croise, pose et le carré qui descend. C'est OK? Bon, celle-là, elle est connue, hein, on l'a déjà bien faite. Hein. Donc, c'est pareil. No tag, no worst time. Oh. Allez. Ça va un peu mieux. J'arrive à passer un peu au sud. Alors, c'est quel est un coffee, coffee, coffee. Allez là.
petite danse sympa. Ces petites danses pas trop compliquées, ça permet de nous reconnecter un petit peu à notre milieu. Donc ça va? Ça va, vous passer un petit moment, un bon petit moment? Ça va? Ouais. Bon, là c'est la première journée. Bon, là, c'est, là les, donc jeudi, bon, mercredi, jeudi, vendredi, je vais faire des. Bah, surtout des. On va dire des petites danses, c'est pas trop dur. Dire de se remettre dedans, puis aussi peut-être de remotiver un petit peu les gens qui avaient décroché avec des danses pas trop difficiles. Donc, voilà. Là, on va revoir Dust. Alors, débutante catalane, donc débutante plus, de novice. Hein. Enfin, moi, je l'avais plutôt en novice, Dust, hein, parce que débutant, c'est quand même un petit peu hard. On va boire un petit coup. Bon, un petit coup, c'est agréable. Alors, donc Dust, nous ça fait déjà, moi personnellement, ça fait au moins 3 ans que je l'ai faite. On l'a faite déjà, nous, elle tourne déjà bien par chez nous. Et c'est une des danses préférées de mon mari, Dust. Mais même de mes danseurs aussi. La musique, elle est trop belle. Donc c'est Victor Manuel Rodriguez, le chorégraphe. C'est une débutante catalane. Hein. Donc on va dire un peu plus vers les novices. Dust, donc de Trent Tomlinson. Un seul restart dans la danse. Allez. Donc on va faire des rock stomp façon catalane. Donc au lieu de faire le rocking chair comme on le fait dans beaucoup de danses, on va faire rock step avant droit, stomp gauche, rock step arrière droit, stomp gauche. Donc si on fait rock stomp, on va mettre comme tout à l'heure pied droit à droite, le pied gauche derrière. On va faire un chassé latéral avant avec quart de tour. Alors, 7, 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va mettre le pied gauche devant et là, il faut qu'on fasse un 3 quarts à droite. Donc, un demi plus un quart. Et on va aller faire un chassé latéral à gauche, poids du corps gauche, step arrière, droit et kick ball step. Alors, kick, ball, change, step, step, pas. Donc, ça veut dire que dans le kick, ball, il y a un, on refait. 7, 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pied droit devant, demi-tour chez savon droit. Et tout de suite, donc on va s'embrouiller du corps droit, on va faire un vine à gauche. Vine à gauche, stomp, droit. Alors, on fait le stomp et tout de suite, on réutilise pour faire talon droit, talon gauche. Donc, enchaîné, on ramène le pied gauche, on fait deux pointes droites derrière, pointe, pointe. On ne ramène pas le pied droit, ça va tout de suite faire un side rock cross et un side rock cross gauche. Et là, donc, c'est fini. On va recommencer ici, à 6h, c'est une demi-heure. Hein. Alors, 7, 8, rock, stomp, rock, stomp, 7, 8, donc rock, stomp, pied droit, pied gauche, chassé avant quart de tour, pied, 1 demi, plus un quart, chassé, et rock, step, et kick, ball, step, pied droit devant, demi-tour, chasse avant droit et de là, donc, vine à gauche, stomp, talon, talon, pointe, pointe, side rock cross et side rock cross. Allez, encore une fois avec les comptes. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4,
5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, side recross et side recross. Donc le restart, alors 12, 6, 12, 6, au quatrième mur. Donc le restart sera ici, donc au deuxième fois à 6 heures, quatrième mur. Et il sera après le kickball step. On aura fait kickball step. Donc on sera en poids du corps gauche. On sera bien placé pour refaire rock, stomp, rock, stomp. Alors encore une fois, comme ça on nous fera revenir à 12 heures. 7, 8 et rock, stomp, rock, stomp. Pied droit, pied gauche, quart de tour chassé avant. Pied gauche pour demi et plus un quart chassé. Et rock, step et kickball step. Demi-tour, chassé avant droit, le vine à gauche, stomp, talon, talon, pointe, pointe, side recross et side recross. Voilà. Allez, on y va. Dust. Dust, dust, dust. Celle-là, elle est bien connue aussi. Elle commence à bien tourner aussi. C'est que dust. Dust, my truck is covered in dust. That ain't been qu'on a appris
plein d'autres qu'on a appris avant le confinement. Plein de danses qu'on a appris avant le confinement, comme on ne les a pas encore dansées, beaucoup, très peu ou pas du tout, c'est comme si tout allait être nouveau en fait. Alors, l'avant-dernière. Une laisse. Non. Alors, c'est quoi? C'est Dust John Henry. Et. Non, il y en a encore deux après. John Henry. John Henry, c'est pareil. Hein. Vous voyez, elle est bien partie. Pareil, on n'a pas encore eu l'occasion de la danser en bal non plus. C'est incroyable hein, quand on y pense. merci à vous hein, d'être présent. On essaie de tenir, encore une fois, de cette épreuve qui est là au-dessus de notre tête. Hein. Et bon, on essaie des révisions, des nouveautés, des choses comme ça. Il y a des belles nouveautés que je vais vous faire. De toute façon, ce que je vous apprendrai au fur et à mesure des jours, ce sera des danses que je devais faire aussi. Alors, John Henry. Donc c'est pareil, je pense que beaucoup la savent. Je vais faire deux murs. Hein. Donc toe strut avant droit et avant gauche. Donc toe strut. Chassé latéral à droite et rock step arrière gauche. Rock step. On va faire un quart de tour à droite avec un toe strut arrière gauche. On refait un deuxième quart de tour à droite avec un toe strut du côté droit. Toe strut. Rock step avant gauche, coaster step. Là, il n'y a pas rien, il n'y a rien de difficile. On refait avec les coups. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va poser le pied droit devant, il y a une pause. On fait demi-tour, il y a une pause. On repose le pied droit devant, il y a une pause. On fait demi-tour, il y a une pause. On va ramener le pied droit en stomp droit out et on va faire stomp gauche out. Stomp, pause. On va faire des heel bounce. On va lever les talons, donc 5, 6, 7, 8. Alors, à ce stade-là, on n'oublie pas de rester en poids du corps gauche pour aller faire donc step, lock, step et step, lock, step. On refait depuis le début. 7, 8. Toe, strut, chassé latéral, rock, step. Quart de tour, toe, strut, quart de tour, toe, strut, et rock, step, coaster, step. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire un jazz box cross. Quart de tour à droite. Jazz box cross. Et une weave à droite. Non, weave à droite. On recommence jusque là. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un monte-return demi-tour à droite et on enchaînera pointe droite, ramène. Pointe gauche, ramène. Monte, return, demi-tour. Et on fait pointe droite, ramène. Pointe gauche, ramène. Et dernière section, un carré à droite qui descend. Donc 4 et 8, pause. Donc 1, 2, 3, pause. 5, 6, 7, pause. On la refait en entier sur le mur de 6 heures. C'est une demi-heure. Hein. 7, 8. Toe strut, chassé latéral, rock, step. Quart de tour, toe strut, quart de tour, toe strut, et rock, step.
coaster step. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Step, lock, step, brush, step, lock, step, brush. Jazz, box, quart de tour. Croise et weave à droite. Monte, return, demi-tour, pointe droite. Pointe gauche et le rumba à droite qui descend. Voilà. Deux restarts qu'on entend. Alors le premier, il est assez rapide. Enfin, il est au deuxième mur. Donc, il est au deuxième mur et il sera, donc on aura fait rock, step, coaster, step. Donc le restart déjà, toaster, toaster, etc. Et le deuxième restart, il est beaucoup, beaucoup plus loin. Et il sera donc face à 6 heures. Donc, c'est pareil, après le même compte, on aura fait rock, step, coaster, step. Donc, restart. Et le final, donc, on aura fait stomp, stomp, comme ça. Et on croise la jambe et on fait demi-tour pour le final. Après, quand on la dansera en bas, on s'adaptera à ce qui se fait sur le bal. Donc là, on croise la jambe et on fait un demi-tour. Il y a une musique assez longue. Alors, allez, John Harvey, c'est une révision, ça. Pas bien. So tall it couldn't grow no more. Said don't do this and don't do that. Everybody turn them aware it's sad. It said mama, oh, you know it hurts so bad. Yeah, he said mama, oh, you know it hurts so bad. Was born a hammer in hand, who bad as mother, son, in the promised land. When I drive that steel, drive it hard, oh, won't you drive it on home to the graveyard? Oh, 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 Johnny, swing that hammer. Oh, 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 Johnny, swing it right. Oh, a machine working like a one who won't be a beat. I'm gonna break my back, have heart attack, but I will not give up. I will not. But mama, oh, you know it hurts so bad. Ooh, oh, no, mama, oh, you know it hurts so bad. Lord, it hurts so bad. Thank you.
Judgment Day. Oh. Voilà, un beau final. Donc Jean-Henri, on a déjà bien revu. Alors, ça va toujours? Ça va toujours? La musique et le cours en privé. Je sais pas comment on fait. Tu me demanderas tout à l'heure. Alors, maintenant on va revoir. Donc, il nous reste Endless. C'est une catalane. Donc, et Bonaparte Retreat. J'essaie de mettre un petit peu de catalane, que j'aime aussi les catalanes. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes à vous apprendre. Je prendrai du temps, comme j'ai fait pour Guest Ranch. J'ai fait 8 fois, rappelez. Guest Ranch. Ah, je vais couper, parce que Facebook, il me dit que ça va couper. Alors, vous revenez, je coupe et je remets. Hein?